Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du DLC 2 et du DLC 3 de Call of Duty Cold War Zombie. Alors il faut savoir qu'il y a une très grosse nouvelle à propos du DLC 2 parce qu'en réalité le DLC 2 c'est la map Contagion qui a en mode zombie sur Cold War. Donc en fait Call of Duty nous l'a lâché comme ça sans préciser que c'était le DLC 2 et en fait il s'avère que c'est vraiment le DLC 2 du zombie. Alors franchement, moi personnellement, je suis un peu dégoûté parce qu'ils nous sortent un nouveau mode de jeu. Moi, je croyais que c'était un mode supplémentaire, un nouveau concept et tout. Je me dis, ok, c'est stylé et on va avoir un DLC 2 prochainement. Donc moi, pour moi, le mode Contagion, c'était un mode qui nous mettait pour nous faire patienter jusqu'au DLC 2. Eh ben non, en fait, rien à voir. Le DLC 2, c'est Contagion, donc c'est une pire daube. Donc je suis vraiment dégoûté. Moi, je voulais une vraie map. Donc là, on en a eu 5, mais il n'y avait pas de secret. Ils ont attendu un mois pour nous mettre un secret dessus. Et encore, apparemment, c'est que la première partie du secret. Il y aura une deuxième partie prochainement sur Contagion. Donc j'espère que ça ne sera pas le DLC 3 ni le DLC 4, parce que là, franchement, ce serait du foutage de gueule. Mais franchement, personnellement, je suis quand même un peu déçu. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire votre avis dans l'espace des commentaires. Et à propos du DLC 3, normalement, je dis bien normalement, il devrait sortir au début de la saison 4. Cependant, Treyarch a annoncé que le contenu qui ne sortait pas en début de saison pouvait très bien arriver en mi-saison ou en fin de saison. Donc en fait, ils ont dit ce petit message-là sur Twitter, je pense, pour justement se protéger. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont sûrement à la bourre. Donc ils ne savent pas s'ils arriveront à sortir la map dès la saison 4 de Cold War. Donc ils ont lâché cette petite phrase pour se protéger et pour faire genre que il peut très bien sortir en mi-saison, comme s'ils avaient déjà tout calculé. Donc voilà, pour la date du DLC 3, qui est normalement une nouvelle map et je l'espère grandement, il sera disponible à la sortie de la saison 4 ou pendant la saison 4. Et je reviens aussi sur le fait de Contagion. S'ils nous ont sorti le mode Contagion comme ça, sans rien dire, même sans préciser que c'était le DLC 2, c'est parce qu'en fait, ils sont sûrement en retard sur tout leur travail. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a eu le mode Contagion à peine fini et qu'on n'avait pas de secret dès la sortie de la map Contagion. Donc après, ils nous le balancent un mois plus tard. Je pense que la moitié de la communauté ne savent même pas qu'il y a un secret sur Contagion, sauf s'ils se sont informés sur Internet. Mais franchement, ça devient un peu abusé. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils nous sortent le mode Contagion en même temps que le secret. Comme ça, toute la communauté aurait été au courant et je pense qu'on aurait été tous satisfaits. Que là, ils nous ont sorti le mode Contagion et ensuite, ils nous ont sorti le secret sans même un trailer, sans rien. Donc voilà, ils nous l'ont sorti comme ça sur le jeu, sans trop de publicité autour. Donc voilà, je pense que c'est un peu un gâchis de leur part. Enfin bref, c'est leur jeu, ils font ce qu'ils en veulent, mais j'espère vraiment qu'ils vont réussir à nous surprendre par la suite et à nous faire retrouver la hype du zombie. Enfin bref, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.